Dr Bilana Fornadieva, je vous présente Crystal Sound. Crystal Sound est un projet qui réunit le domaine de la sculpture et le domaine de la musique. Il s'agit de sculptures en porcelaine qui ont des timbres spécifiques et des capacités de résonance uniques grâce à la charge métallique dans la matière de fabrication. Sur ce projet, je suis soutenue par deux musiciens, Victor Benev, qui est compositeur et percussionniste, et Selma Savolainen, qui est chanteuse. I've been working on this project as a singer, and I've brought some traditional music from Finland, my native country, for this project to work with. And the texts go a lot around the themes of nature and love. And it's been such a pleasure to work on this project. This is my singing drum in which I sing, and it resonates back to me in ways that are just beyond anything I've ever experienced. Nous voilà à Paris, dans le studio Boxon, avec Philippe Tessier-Ducrot, qui est notre ingénieur de son et avec qui nous sommes très contents de pouvoir travailler. On va enregistrer notre premier album avec le projet Crystal Sound. Voyez, un des instruments qui est ici et qui s'appelle chansolène. Et puis, il y a beaucoup de micros qui sont déjà installés. On enregistre les instruments, on joue acoustiquement, et notre musique se fait un dialogue entre ce qu'on joue et ce qui est déjà enregistré. Notre but, c'est de créer une palette sonore qui est très riche et d'utiliser tous les dispositifs techniques qu'on a aujourd'hui. Je suis très heureux de ce projet pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai rencontré Selma et Victor au Conservatoire de Paris, où j'enseigne et participé à la séance d'enregistrement. Et j'étais un peu comme un professeur, et eux étaient un peu comme des élèves. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et c'est ça qui me plaît. C'est que c'est eux qui m'apprennent, et moi, j'apprends. On a inversé les rôles. Et je trouve ça super. Et ça se fait dans la continuité. Et je trouve que c'est comme ça que ça devrait marcher en musique tout le temps. Et voilà. Donc c'est du bonheur. Avec ta miniature. Ouais.